Naruto! Naruto! Elle est où ma valise? Ma valise! Non mais faut que je parte à la Game Assembly là! Et quelle heure? Oh putain mon train! Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh Mary, really? Ouais, bien première journée sur cette Gamer Assembly, tranquillement. On va aller s'installer, toujours aussi sympathique de venir à la Gamer Assembly. On va aller retrouver le stand des exposants pour aller sur le stand AOC où les personnes pendant toute la totalité de la Gamer Assembly pourront venir jouer contre moi sur du Rainbow Six. Donc ça c'est très très cool. Ça va être une longue journée, mais ça va être bien, j'en suis sûr. Alors là, on va arriver sur la partie joueur en fait de Rainbow Six, ce qui est énorme, parce qu'il y a plus de 40 équipes comme je le disais. Rainbow Six, il est juste là, c'est marqué au-dessus de moi, et là c'est tout l'espace joueur, tout l'espace joueur. C'est le stream. Ils sont en quart de finale. Les futurs champions de la Pro League. Allez, nous de notre côté, il nous reste 60 secondes. 60 secondes pour le stream, pour gagner de leur côté, ou au contraire, pour eh bien, les suprématies. Rêver d'une remontée. C'est ça, effectivement. Et on est au port du BP, oh, Alphama qui vient faire tomber Cassix. On est en situation de 4 contre 3 maintenant. Et Alphama qui peut le planter, tranquille. On est en situation de 2 contre 4. 45 secondes maintenant. Attends, attention, pour poser les tactiques, pour faire le retake des 3 joueurs restants. Uno à ne les interromps pas. Non, clairement ne les pas. Interromps pas. En tout cas, maintenant ils ont le timer contre eux et voilà, c'est terminé. Et c'est fait. Uno et c'est fait. Envoie-les le stream en finale. Un autre quart de finale du coup, Vitality juste derrière. Mais oui, vous les connaissez. On les connaît. S'il ne reste que 50 secondes, tout est encore possible en termes de défense pour les V, même s'ils ont une infériorité numérique. Tout est encore possible comme tu le dis, et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'on a joué tout le monde joue en bas maintenant et on va jouer sur la verticalité, soit avec les fusées à pompe en profitant effectivement des informations de Bridé, soit directement avec Bridé. Ce sont ces 4 qui vient de placer et qui vient d'éliminer justement sur Deepak. Parfait, ce C4 ici, 3v3, il ne reste plus que 25 secondes à jouer. Ouais, le Minix qui s'est inséré sur le terrain, on leur dit attention, je sais pas s'ils sont au courant les Trust Gaming, mais il y a des endroits où on peut poser le diffuseur en étant abrité de... il le connaît pas, Midi le connaît pas, c'est sur un bureau à l'intérieur du Tellers et visiblement il ne sait pas encore si ça y est, il est en train de se mettre sur ce bureau, la pose du diffuseur qui est faite. Avesh qui va en profiter pour faire tomber Cal, Bridé qui fait tomber Avesh en revenge, la pose du diffuseur qui est amorcée, on n'est pas au courant visiblement du côté de Team Vitality, on va aller jusqu'au bout. Miz qui réussit à poser le diffuseur, sur Quadzi qui a une position à la trappe très avantageuse maintenant. Oh, est-ce qu'on va réussir à prendre le kill? Park qui prend le kill sur Miz, 1v2 maintenant, Quadzi qui est tout seul pour défendre ce diffuseur, il va réussir à s'insérer, on va être obligé de... Et c'est gagné, Vitality en finale. Oui, bien, là il est 14h30 de cette première journée de la Gamer Assembly et on va tranquillement aller se rendre sur le stand AOC. Ça va être très sympathique puisque à 15h eh bien, les personnes peuvent rejouer contre moi et c'est très sympa ce qu'ils ont fait tout à l'heure, on a passé un super moment. Et là à 15h eh bien, on va essayer de refaire exactement la même chose. Puisque en fait je fais deux fois par jour, 11h, midi et demi et 15h, 16h30 environ. Et puis voilà, ce sera tout après de cette première journée. Mais ça je vous en reparle tout à l'heure. A tout de suite. Hey, salut tout le monde, deuxième journée du coup de cette Gamer Assembly.
loin de notre campus adoré de la Solty Academy, bien évidemment. Donc hier, la journée s'était très bien passée, très très cool. Et puis aujourd'hui, on va repartir sur la même chose. On va repartir sur la même chose. Du coup, il y a des gens qui disent bonjour, comme on peut l'imaginer. Ouais, forcément, les gars, la campus de la Solty Academy, les gens le savent très bien. Ils savent très bien. Très bientôt, to the fucking top. Eh bien c'est fini pour cette Gamer Assembly, vraiment très sympathique, vraiment très sympa. Trois jours full time sur les stands AOC pour montrer du Rainbow Six avec vraiment une belle communauté. Ça a été une belle Gamer Assembly pour Rainbow Six, c'est ça qui compte énormément, en tout cas c'est ça qui compte énormément pour moi. 40 équipes quand même qui ont participé à cette LAN, une belle finale avec vraiment une belle affiche, en plus le stream face à Vitality, une victoire de le stream et puis une Team Vitality qui, j'en suis sûr, reviendra plus forte que jamais d'ici quelques temps, et j'en suis sûr qu'ils auront toutes les capacités de le faire. En tout cas, merci infiniment du coup à AOC d'avoir eu le courage d'amener du Rainbow Six, de pas rester sur des jeux dont on entend peut-être un petit peu trop parler parfois. Rainbow Six, ça reste quand même une communauté de malades avec beaucoup de bons joueurs et une communauté très soudée, très en particulier en France, en particulier dans la communauté francophone. Donc merci AOC, merci LDLC de m'avoir invité à cette Gamer Assembly, c'était vraiment vraiment chouette. Merci à vous. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas. Elle sort un petit peu du contexte conventionnel de la Salty Academy où je ne suis pas, mais où Mary est. Allez, je vais faire le YouTuber. Like, tout ça, commente. Bien sûr, ça aide la Salty Academy à aller to the fucking top. Naruto ! Ah, t'es là. Ouais, 3 jours à la Gamer Assembly. Oh mec, tu suis plus rien. Le colis, tout ça, LDLC, ce qu'ils nous ont envoyé la... Oh non, mais sérieusement, moi je peux plus rien pour toi. Bon, on a testé l'écran AOC, et là je suis parti à la Gamer Assembly pendant 3 jours. Comment ça, pourquoi? Mais j'ai fait un show match, Rainbow Six, le stand AOC Gaming, tout ça. Ah bon, laisse tomber. Bah nous c'était principalement pour mettre en avant et pour parler de la G5. Le but du jeu c'est Rainbow Six, hein. Ça reste quand même d'avoir le lien entre Rainbow Six et G5. Et alors? Alors pari tenu, oui, mais on en parle déjà depuis des mois. En gros, je te fais un schéma parce que t'as l'air de rien comprendre, je le vois dans tes yeux. Tu prends ta GeForce RTX qui communique avec ton écran du coup G5. Du coup, in fine, ça veut dire quoi? Bon, t'as la puissance, mais t'as surtout la fluidité d'image. Et sur un FPS, la fluidité d'image égale... normalement, tu deviens meilleur. Tu te comprends toujours pas. Bon, écoute, tu regarderas la vidéo. En attendant, va peut-être falloir que tu commences à mettre de côté. Toi et Mary. Ouais,